siento muy feliz de estar en un club como Bordeaux. Es un gran club y es una linda oportunidad para mí, la cual estoy muy motivado por comenzar. Es un club muy grande, con una linda afición, con un gran estadio y una linda ciudad. Y sé que la liga es una liga bastante rápida y fuerte, ¿no? Y espero aprovechar cada oportunidad que me den. No, un espectáculo de estadio muy lindo, muy hermoso. Lo había visto en fotos, pero ya estar aquí y verlo es impresionante y muy feliz y ansioso por comenzar. No, tratar de aportarle lo más que se pueda al equipo, ¿no? Tratar de dejarlo todo en cada partido, tratar de anotar goles, que es para lo que me traen y para eso es lo que trato de hacer en cada partido. Muchas ganas, muchas ganas de comenzar. Ale Bogdo. Fico feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a todos que estavam presentes na minha negociação vindo do Braga para cá. É, agradecer também a todos os staff que aqui me acolheu. Agora espero dedicar o máximo possível dentro de campo e também dar essa alegria para os nossos adeptos, né? Espero corresponder com a expectativa do clube, com a expectativa dos adeptos, né? Sei que não vai ser fácil, mas nós trabalhando bastante aqui no dia a dia, as coisas vão acontecer no final de semana. Então, já estou louco para estar em campo, para conhecer os companheiros aprofundamente, né? E acabar dando alegria para os nossos adeptos. Fico feliz de estar num clube onde que a história do brasileiro aqui foi feliz, né? Podemos falar do Denilson, né? Denilson Show, que passou aqui há muito tempo. Hoje tem o Otávio, o Pablo passou por aqui. Então, vários jogadores que já passou por aqui, que estão aqui ainda, como o Otávio. Gostaria de fazer um belo trabalho aqui também. Queria convocar todos, né? A todos os adeptos, a todos os torcedores do Bordeaux para nos apoiar. Então, espero juntamente com os adeptos, fora e nós dentro de campo, fazer histórias junto. Allez Bordeaux! Allez Bordeaux! Bonjour à tous. Allez, on va commencer. Bonjour, bonjour Franz Sergio.
Est-ce que tu signes enfin et que tu puisses enfin participer à l'entraînement, c'est un soulagement après les derniers jours d'attente où tu es arrivé la semaine dernière, tu peux t'entraîner que maintenant? Est-ce que voilà, ça a été long? Bonjour, muito contente, muito feliz, queria agradecer a todos que teve na negociação, o Ademar, seu presidente, ao Sport Clube de Braga, ao o Bordeaux, por ter confiado no meu trabalho e poder agora desfrutar desse momento juntamente com esse grupo, com essa família que nós estamos criando aqui. Estou feliz, acho que é o momento certo e a hora certa de ter saído do Sport Clube de Braga e vim para um novo desafio que é aqui em Bordeaux. Je suis vraiment très heureux, je suis très content. Je remercie tout le monde, je remercie Ademar, je remercie le président, je remercie le club, je remercie aussi Braga, Bordeaux. Et je leur remercie parce qu'ils m'ont fait confiance et maintenant je vais pouvoir travailler, profiter et faire partie, profiter de ce moment et faire partie de cette famille, de ce groupe. Donc je suis très heureux. Je pense que c'était le moment, le bon moment pour sortir du Sporting Club de Braga et de rentrer dans ce nouveau défi. Je suis très heureux. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux Girondins de Bordeaux? Olha, o primeiro momento que quando eu falei com o Ademar, ele queria um pouco de experiência, né? O Francérgio tem 30 anos, né? Não é mais um menino, então tenho muito para ajudar também essa rapaziada nova que está subindo, que está chegando. Então espero me adaptar mais rápido possível. Espero ajudar também a todos esses mais novos. Dès le premier instant, lorsque j'ai parlé avec Ademar, il cherchait quelqu'un avec de l'expérience. Donc, Fran-Sergio, moi, j'ai 30 ans, donc je me suis dit que je pouvais aider tous ces jeunes qui arrivent. Donc, j'espère très vite pouvoir m'adapter et pouvoir aider tous ces nouveaux jeunes qui arrivent. Bordeaux est un grand club, Fran-Sergio, mais quand tu as vu les derniers résultats de l'équipe, est-ce que ça t'a pas fait peur? O clube de Bordeaux é um grande clube, mas quando você viu os últimos resultados, você não ficou com medo? Não, nós não temos que temer a nada, né? Sabemos que a época passada não foi das melhores, mas juntamente agora com a nova comissão técnica, com nova diretoria, nós podemos fazer um novo trabalho. Então está todo mundo focado, está todo mundo determinado para terminar o mais alto possível essa época. Não, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je sais que la saison dernière n'a pas été une des meilleures saisons, mais maintenant, avec cette nouvelle équipe technique, avec cette nouvelle direction, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés et je pense que nous pouvons faire de bons résultats. E o que é que você conhecia da longa história que existe entre o Brasil e o Girondins de Bordeaux? O que você conhecia disso? Olha, bem sinceramente, o que eu conhecia de Bordeaux era os vinhos, né? Que tem os bons vinhos. Mas o pouco tempo que eu tive aqui, que eu estou aqui, vi a história, passou muitos brasileiros. E deixar a tua marca, né? Nomeadamente o Denilson Show, né? Que passou por aqui e deixou a marca. Agora quero eu, juntamente com os brasileiros que aqui estão, fazer e deixar a nossa história também, fazer a minha marca e deixar a nossa história.
e história feita dentro de campo com resultado, com sendo campeão, indo o mais alto possível, uma Champions, uma Liga Europa, uma Conference League, o Bordeaux tem que estar brigando por isso. Sincèrement, je vais être sincère, hein, ce que je connaissais de Bordeaux, c'était les vins. Hein. Mais depuis, j'ai vu un peu l'histoire de Bordeaux et j'ai pu voir tous les Brésiliens qui sont passés par ici et qui ont laissé leur marque, qui ont, comme Denilson Chaudet. Aujourd'hui, avec les Brésiliens qui font partie du staff, j'espère aussi laisser ma marque, faire un peu d'histoire. Et pour faire de l'histoire, bah, il faut des résultats, il faut être champion, aller le plus haut possible, peut-être la Champions League, être une Ligue Europa, c'est ça. Aviez-vous d'autres propositions? Et si oui, pourquoi Bordeaux et pas ailleurs? Olha, na minha cabeça só tinha um clube, que era o Bordeaux. A partir do momento que meus empresários falou comigo, não quis ouvir mais nenhuma proposta. Logo depois conversei com a Demar e não quis mais saber de mais nenhum clube. Foquei no Bordeaux, então estou feliz. Estou contente, estou louco para estrear, para estar dentro de campo, para dar alegria para os nossos adeptos. Moi, j'avais qu'un club en tête. Dès que j'ai entendu le mot Bordeaux, je n'ai voulu entendre aucune autre proposition. J'ai parlé avec Ademar, j'étais content de venir ici. Et là, je suis fou d'envie de commencer et de donner plein de bonheur à nos supporters. Question pour Ademar. Franz Sergio, c'est un profil que vous n'aviez pas dans l'effectif? Oui, dans cet effectif, la vérité, c'est qu'il n'y avait pas un profil comme lui. Lui, c'est un joueur, c'est un milieu versatile qui peut jouer dans différentes positions, dans différents systèmes. Avec beaucoup de caractère. Et c'est un joueur que, à mon avis, nous manque un peu. Aussi, il est très fort en duel aérien pour le coup de frein et tout ça. C'est quelque chose que nous manque, à mon avis. Et aussi, c'est un joueur pour son poste. Il fait beaucoup de buts, il passe décisif et tout ça. Il a l'expérience que, à mon avis, aussi a manqué la dernière saison au milieu. Oui, non, ce sont différentes personnalités, ça c'est sûr, mais le même caractère, la même envie, et top professionnel, et c'est ça, peut-être pas un peu plus Benjamin André, même s'il est brésilien, le profil c'est plus pareil à lui qu'à José, mais oui, il est quelqu'un qui nous peut beaucoup aider dans le vestiaire, dans le jour à jour et dans l'expérience pendant le match. Est-ce aussi un manque d'impact physique à combler justement dans cette équipe? Est-ce que vous avez ressenti justement un manque d'impact physique dans cette équipe? Oui, exactement. Oui, que j'ai regardé l'année dernière par vidéo, quelques matchs en live, et même là, notre préparation, j'ai regardé qu'il nous manque quelques impacts physiques, mais lui, ce n'est pas seulement un milieu d'impact physique, lui, il a belle qualité de passe, belle vision de jeu. Et techniquement, il est un joueur très évolué, à mon avis. C'est un peu un mix, les deux. Qu'est-ce que Franz Sergio pense de l'équipe? Je crois qu'il a vu le match dimanche. Je crois que c'est vu le jour de domingo. Et est-ce qu'il peut jouer à Nice 90 minutes? Je crois qu'il peut jouer à Nice durant 90 minutes. Olha, uma equipe boa, né? Bem trabalhada, né? Bem fisicamente, bem tecnicamente. Acho que no momento ainda não estou preparado para jogar 90 minutos, né? Mas o tempo que for preciso do Francérgio dentro de campo, eu vou dar o máximo e espero corresponder à altura.
Moi, ce que j'ai vu, c'est une bonne équipe qui est prête, physique, qui est bien, physiquement et techniquement. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt pour jouer les 90 minutes, mais je jouerai le temps qu'il faut et je donnerai tout mon maximum et j'espère être à la hauteur. Concrètement, vous voulez faire de cette nouvelle recrue un leader de vestiaire, un homme fort? C'est un peu l'idée aussi au-delà de la qualité de l'homme sur le terrain? C'est plus un exemple qu'un leader, mais lui, il était le capitaine de Braga. Il était même capitaine par tous les clubs qu'il a joué. Depuis 2 ans dans le club, normalement, il est dans le groupe de capitaine. Bien sûr qu'il parle pas français, que c'est important pour être leader de vestiaire. Oui, je sais. Mais c'est un exemple au niveau professionnalisme, de l'exigence, de l'envie. Et je pense qu'il va tourner plus un exemple qu'un leader. Et après, on verra avec le temps, il parle français, peut-être qu'un leader aussi. Portanto, você não está completamente aqui fora de toda a gente. Você vai encontrar o Otávio e outros jogadores que vêm de Portugal também. Sim, o Otávio me recebeu muito bem, está ajudando nesses primeiros dias. Fico feliz de ter um brasileiro, uma pessoa que possa falar português também, mas espero o mais rápido possível também estar aprendendo a língua e daqui a pouco a gente está numa conferência de imprensa eu falando já espanhol. Français. Ah, français. J'étais très contente de retrouver Otávio. Il m'a très bien reçu. C'est important parce qu'il parle portugais, donc ça me faisait du bien de pouvoir parler portugais, mais j'espère rapidement apprendre votre langue et pouvoir m'exprimer et même en conférence de presse de pouvoir vous parler en français. Et du coup, le vin de Bordeaux? Et donc, le vin de Bordeaux? Ainda não provei ainda. Ah, j'ai pas eu le temps de goûter encore. Est-ce que Vladimir Petrovic vous a déjà dit comment il voulait vous utiliser, au moins le premier temps? À quel poste? O Vladimir Petkovic já lhe disse em que posição é que ele gostava de o pôr a jogar? Já conversamos um pouquinho. Aqui jogam num sistema diferente de que eu estava acostumado a jogar em Braga. Lá jogava com dois médios, né? E aqui joga com três. Ele gostaria que jogasse ali um pouquinho para o lado esquerdo, mas o francês está disposto a conhecer novos posicionamentos também, se precisar, eu estou à disposição. Oui, nous avons discuté un peu. Le système ici, il est un peu différent de celui avec lequel je jouais à Braga. À Braga, on jouait avec deux milieux. Ici, on joue avec trois. Donc le coach, il préférait que je joue un peu à gauche. Mais moi, je suis à disposition de l'équipe et je jouerai là où on a besoin de moi. Merci.
Bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour, Albert. Déjà, des nouvelles de ta santé. Comment va ton pied et quand est-ce que tu penses pouvoir débuter l'entraînement collectif ici? Ya tienen informaciones sobre tu salud y te preguntan cómo va tu pie y cuándo piensas que podrás comenzar el entrenamiento colectivo. Bonjour. Todo va muy bien, gracias a Dios. He ido mejorando lo normal que había dicho el doctor y espero estar lo más pronto posible. Estoy trabajando muy bien, va muy bien la recuperación para poder estar lo más pronto posible. Merci, tout va bien. Il est en pleine récupération, il travaille pour ça et il espère être opérationnel le plus tôt possible. Qu'est-ce que représente pour vous le fait de jouer aux Girondins de Bordeaux? ¿Qué representa para ti jugar en los Girondins de Bordeaux? Es una linda oportunidad para mí. Es un gran reto en mi carrera y estoy muy feliz de estar aquí. C'est une belle opportunité pour lui et il est très heureux. C'est un bon défi pour sa carrière et il est prêt pour lever ce défi. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter spécifiquement à cette équipe? ¿Qué piensas que puedes aportar en concreto a este equipo? Pues pienso lo que ha aportado en todos los equipos que he estado, ¿no? Ya sea dar asistencias o anotar goles, es mi trabajo, para eso me preparo y espero primeramente Dios poder aportarle mucho de eso al equipo, ¿no? Mais il pense qu'il pourra apporter ce qu'il est en train d'apporter depuis dans chaque équipe dans laquelle il a participé, il a intérêt, c'est marquer des buts et l'assistance, le soutien. Et il espère qu'il pourra faire de même ici, marquer des buts et assister. Est-ce que, entre votre blessure, le fait que Bordeaux doive vendre avant de recruter, ça vous a mis un peu le doute, ça vous a fait douter ou pas, vous étiez sûr de venir, de signer Pregunta si, debido a tu herida, el hecho de que Bordeaux deba vender antes de recogerte, si te has tenido dudas sobre tu venida aquí o no. Pues estoy muy agradecido con Anmar y con el presidente, que hicieron un gran esfuerzo y están confiando en mí, ¿no? Y creo que Anmar me conoce muy bien y él está confiando en mí, en lo que puedo dar. Creo que lo más importante ahora es recuperarme y ponerme a la disposición del equipo para empezar a hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es jugar. Il est très reconnaissant à Mario, qui le connaît bien, d'avoir eu confiance en lui et de mettre toute sa confiance en lui. Et donc, il est impatient de se remettre à 100% pour justement donner tout ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de son parcours? Je crois qu'il a commencé au Mexique, après il allait jouer aux États-Unis. Enfin, c'est atypique comme parcours avant d'aller dans un grand championnat européen. Dice que tienes un recorrido atípico para un campeonato europeo, que has estado en Estados Unidos y México, que si nos puedes contar un poquito, ¿cuál es tu recorrido? Lentamente. ¿Dónde has jugado? Sí, cuéntanos tu recorrido. Oh. Pues de Honduras salgo a México un corto tiempo, luego voy a Estados Unidos, estoy 3 años y medio casi, y luego ahora en Portugal, que estuve el año pasado, pero siempre mi objetivo fue venir a Europa y poder estar en las mejores ligas del mundo, ¿no? Y para eso he trabajado siempre y gracias a Dios aquí estoy ahora y ahora a demostrar de lo que estoy hecho, ¿no? Eh bien, il est allé de México, Honduras, du Mexique, aux Honduras, aux États-Unis pendant 3 ans. Et puis maintenant, son rêve, c'était toujours de venir dans les meilleures ligues du monde, en Europe, et montrer pourquoi il est fait. C'est pourquoi il est fait. C'est pas fréquent de voir des joueurs du Honduras en France? Vous savez qu'il n'y en a pas eu beaucoup? No es frecuente ver jugadores de Honduras aquí en Francia. ¿Estás al corriente que no se ven muchos? Sí, claro. Soy el tercer hondureño en venir a esta liga. Y es un gran desafío para mí, una gran responsabilidad.
la cual trataré de dar lo mejor de mí siempre, en cada entrenamiento y en cada partido. En effet, il est au courant, c'est le troisième qui intègre cette ligue. Et donc, c'est très important pour lui. Il va essayer de donner le mieux, ce qu'il y a de mieux en lui, pour mériter cette place. Admar, est-ce que tu peux nous parler du profil de joueur qui est Albert? À quel poste il peut jouer en attaque et quel type de joueur c'est? Oui, Albert est un joueur très puissant. Il va très vite. Et il a pas mal de passes décisives. Je pense qu'il était même le joueur avec plus de passes décisives dans la Ligue MLS, je pense, 2019, quelque chose comme ça. Il a commencé même, je pense, comme attaquant, quand il était jeune à Honduras. Après, son parcours, c'était un peu comme ailier droit. Il peut jouer ailier droit, ailier gauche. Même, il peut jouer avec, comme attaquant à deux. C'est un joueur... que, à mon avis aussi, comme nous manquons pour dans cet effectif. C'est un joueur qui prend beaucoup d'appels à profondeur. Et c'est un joueur avec une très bonne capacité de centre et de passe décisive, et aussi buteur. Ouais. Et l'année dernière, il a joué plus comme attaquant, mais c'est un peu le profil de système de jeu de l'entraîneur de Boavista à l'époque. Mais il peut jouer comme ailier et comme attaquant. Est-ce que c'est un joueur où, quand vous avez récupéré le club et pris votre poste, vous saviez déjà que vous alliez le prendre, que c'était la priorité? Oui, la vérité c'est oui, parce que je connais très bien le joueur. Je l'ai vu la première fois en 2016 à Jeux Olympiques au Brésil. Et après ça, je l'ai regardé, je l'ai suivi. Et quand Gérard et moi, on a pris le club et décision de planifier un peu l'effectif, j'ai des noms à la tête parce qu'il a un profil très intéressant pour la Ligue, à mon avis. Visiblement, vu le recrutement, le coach l'a dit tout à l'heure, le problème à Bordeaux, c'est marquer des buts. Donc là, visiblement, c'est vraiment l'objectif cette saison, c'est que dans ce secteur Bordeaux... soit plus performant que la saison dernière. C'est vraiment ça, vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Bien sûr que c'est pas seulement de faire les buts, c'est de qu'on souffre pas des buts. Je pense que c'est ça les mots. Qu'on cède pas des buts. On a confiance à l'effectif qu'on a à ce moment. Bien sûr que d'ici au fin de mercato, s'il y a quelques opportunités, on va faire venir quelqu'un, peut-être pour l'attaque, peut-être. Je pense qu'à mon avis, l'effectif va être plus complémentaire et avec plus de qualité à l'attaque avec Albert, ça c'est sûr. Est-ce que l'option d'achat est obligatoire ou pas en fin de saison? Non, ce n'est pas obligatoire. Une question pour Albert, qu'est-ce qu'il connaît de la Ligue 1 tout simplement? C'est un champion qui regarde. ¿Qué conoces de la Liga 1? ¿Es algo que has estado mirando ya? Sí, podemos decir que siempre he seguido la Liga, siempre he visto un par de partidos, todos los torneos normalmente. Y sí, es una liga creo bastante rápida, fuerte, hay muchos jugadores fuertes y rápidos, entonces creo que es una liga que se adapta a mis características, podemos decir. Oui, il en connaît, il l'a suivi depuis toujours, il a vu quelques matchs, deux matchs, et il a vu que c'est une ligue qui est très forte, rapide, et qu'il pense que justement c'est ce qu'il peut apporter à cette ligue, c'est ses capacités à lui, fort et rapide. L'attractivité de la Ligue 1 a changé avec l'arrivée de Messi, notamment, parce que c'est l'occasion justement d'arriver au bon moment dans ce championnat. L'attractivité de la Ligue a changé avec l'arrivée de Messi. ¿Es que es el buen momento para ti, piensas, de llegar a la Liga? Claro, pienso que es un buen momento para cualquier jugador, ¿no? Venir a esta Liga, la Liga va a ser mucho más seguida, podemos decir, que antes, y eso, sea como sea, siempre es importante. Oui, bien sûr, c'est toujours important, c'est toujours très intéressant, et quelle que soit la situation, c'est toujours intéressant de participer à cette Liga. Question pour... Quels sont vos objectifs à court terme et est-ce que vous avez défini l'objectif but, par exemple, marquer tant de buts? Quels sont vos objectifs à court plazo et si tu as un objectif de goles? Tu as marqué un objectif de marquer, de número de goles? No, lo primero es ayudar al equipo,
ayudar al equipo a ganar partidos, comenzar de la mejor manera. Y no, normalmente no me pongo un número de goles, solo trato de ir partido a partido. Son idée, c'est d'aider le mieux possible l'équipe, de participer à l'équipe, et il ne s'est pas mis un objectif de nombre de buts. Question pour Admar. Où est-ce que vous en êtes du dossier Vitinho? Est-ce que ça avance? Oui, c'est public à ce moment. On a besoin de vendre pour acheter. On est là. On attend. C'est une possibilité, ça c'est sûr, mais... C'est un bon joueur qui peut apporter différentes choses à l'effectif. Mais à ce moment, j'ai aussi beaucoup de confiance à cet effectif qu'on a. D'ici au fin mercato, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles. On travaille pour ça, mais on verra. Est-ce que pour Yacine Abi, où est-ce que ça en est d'un éventuel départ? Yacine, normalement, il va jouer le match de samedi, il va être disponible. Et je ne vois pas pourquoi je peux vous parler de s'en sortir avant le match, ça fait pas de sens. Est-ce que dans cette fin de mercato, l'éventuel argent qui vient d'un transfert de Jules Koundé ou de Gaëtan Laborde, c'est de l'argent sur lequel vous pouvez compter justement pour vous renforcer ou pas? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez ciblé d'autres postes également, un défenseur central peut-être, ou c'est pas forcément dans les tuyaux? Nous sommes en train de réfléchir, ça dépend un peu des opportunités, des ventes. Mais normalement, un joueur d'attaque, un joueur de défense centrale, c'est l'objectif. Donc c'est, aujourd'hui, ce n'est pas sûr que Vitinho rejoigne le club, puisque son frère et agent a dit qu'il serait là à Bordeaux aujourd'hui ou demain. En fait, ce n'est pas encore sûr qu'il arrive à Bordeaux. Non, ce n'est pas sûr. À ce moment, ce n'est pas sûr. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.